travaux que nous sommes en train de faire, c'est un souci qu'a possédé notre gouverneur Peter Tshilumwami pour le cas de noyades qui s'est passé ici. Le gouverneur, tellement qu'il est parent, il a eu des soucis de vouloir aider les enfants de Nyiragongo à construire ces puits pour qu'ils ne puissent pas encore avoir le cas de noyades et des morts. C'est juste pour ça que nous sommes ici. Nous avons commencé d'abord avec les travaux d'enlever la boue. Maintenant, là, nous sommes en train de couler la dalle. Et il nous manque seulement l'étape de mettre le tamis pour finaliser notre travail. Je crois que vous-même, vous avez de voir comment on est en train de les couvrir. J'ose croire qu'il n'y aura pas de morts, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut se tuer lui-même. Le message que je lance à la population, nous, l'entreprise armée, qui attaque ses forces, nous demandons à la population de s'approprier ces puits, de faire de ces puits de l'air, qu'ils ne puissent pas jeter les bouteilles, les sachets, les sacs de déchets, et chaque samedi qu'ils puissent faire des petits salons pour permettre à ceux qui la boutent ne puissent pas encore toucher les puits, c'est ça. Pour le gouverneur, bon, nous, l'entreprise Arteco et Taxi Force, nous les remercions pour la confiance qu'il a mis en nous. Nous sollicitons que dans d'autres travaux, qu'ils puissent toujours nous consulter, parce qu'il y a un souci dans notre province. Tout ce qui veut aider la province à faire des travaux, il en profite pour faire autre. Mais nous autres, nous avons saisi de ces moyens que le gouverneur nous a fait pour faire un travail de qualité tel que nous l'avons fait. On n'a pas dit que nous pouvons mettre quelque chose de côté. Non, on passe le travail dans les mesures, dans les bonnes conditions pour qu'ils ne puissent pas avoir encore des dégâts. Vraiment, c'est un travail de finance. Vraiment, pour moi, c'est juste une satisfaction. Parce que moi-même, je suis membre du Taxe Force et président de la jeunesse de Mabanga Nord. Nous tous, nous nous associons en fait de sécuriser notre entité. Nous, on est utilisé de ceux qui veillent pour sécuriser notre entité. Et ce sont ces mêmes qui nous ont aidés en tant que MEDEV. Pour nous, vraiment, c'est une bonne chose. Et nous avons travaillé avec les gens de Mouéné. Vous voyez, il y avait grève, mais nous, nous sommes acceptés de ces grèves en train de couler notre dalle. Vraiment, pour nous, c'est une satisfaction et on a utilisé une main d'œuvre locale, les taxes forces et les jeunes de Vision 2020 et de Nyiragongo.